45€ sur Amazon aussi. Ouais, bah je me suis fait douiller alors, je sais pas. Après, voilà, c'est entre guillemets le. Moi, je le paye plus cher, mais. Enfin, voilà, je l'ai en avance aussi, vous voyez. Donc, bon, après, il y a. Voilà, c'est entre guillemets, c'est peut-être. J'allais dire le prix à payer, quoi. Je sais pas comment le dire comme ça, mais bon. Au final, vous avez fait des dons, limite, ça me rembourse le jeu, tu vois. Enfin, donc voilà, c'est adorable d'avoir autant de soutien. Donc, c'est trop cool, ça permet de vous faire ce live direct et tout. Donc, voilà. Alors, il est là, tiens. Hello. Oh, t'es là, Sich. T'es venu étudier, toi aussi? J'ai pris de l'avance en mémorisant tout ce qu'il y a sur le tableau. Et oui, un dresseur a le droit d'apprendre à éviter que ses Pokémon se blessent au combat. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'emmène ici? T'as quelque chose pour moi? Vous lui donnez le colis. Ah, c'est vrai qu'on avait le colis à lui remettre, j'avais oublié. C'est quoi? Oh, une carte, génial. Pourquoi il y en a deux? Une seule, ça me suffit. Du coup, tiens, je t'en donne une. Te tenez la carte. Parfait. D'après la carte, je dois me rendre à Charbourg maintenant. Il y a une arène là-bas. Ce serait parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Allez, salut. Alors, en vrai, avec Wistigram, on va galérer au début, parce que si je dis pas de conneries, Charbourg, c'est une arène de type... Roche. C'est pas avec Lixi ou Etourmi qu'on va faire un truc, hein. Très clairement, fais voir la carte un peu. Ah, stylé. Donc là, il y a Charbourg, évidemment. Elle est stylée, la carte. Très jolie, la carte, pour le coup. Ah, je me rappelle même plus, en plus, de Sinnoh. Il apprend des attaques combat. Ah oui, c'est vrai que oui, à la rigueur, je peux m'en sortir comme ça, effectivement. La carte est trop stylée, on est d'accord, hein. La carte est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Ah tiens, j'ai pas le droit d'y aller. Je suis en avril, la station MEM n'est pas encore ouverte au public. Ok, pas de soucis. Chope les roses boutons en haut de la ville, au pire. Ouais, je sais pas du tout si je garderai rose bouton ou pas. Il évolue niveau 14 et apprend Machine Punch. Ouais, on va voir. Que vois-je? Un dresseur Pokémon sans Pokémontre. T'as jamais entendu parler de la Pokémontre? Ou montre Pokémon, si tu préfères. Eh ben, t'es vraiment un drôle de cas d'oiseau. Heureusement, c'est ton jour de chance. Je suis un fabricant de Pokémontre, vois-tu. Et il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment. Il te suffit de trouver 3 arlequins à féliciter. Si t'y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Bah tiens, déjà. Voilà. Hello, je suis un arlequin de la campagne Pokémontre. Sans transition, voici la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience? Oui. Bravo, c'est la bonne réponse. Les Pokémon deviennent plus forts en gagnant des combats. Certains changent même d'apparence quand ils deviennent assez puissants. D'apparence. C'est ce qu'on... Ah voilà, ce qu'on appelle l'évolution. Tiens, t'as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. Le bon. Tu vas avoir une Rolex. C'est ça. Tu vas avoir la Rolex. Il y en avait peut-être un plus bas. Attendez, on va vite fait aller checker plus bas s'il n'y en avait pas. Et oui, vu qu'il y a le système jour-nuit, ça se trouve, il y a des Pokémon qu'on n'aura que de nuit. Hein, c'est possible. Hein. Il n'y en avait pas plus bas. Peut-être qu'il y a des Pokémon qu'on n'aura que de nuit. De jour, pardon. Alors, il y en a un deuxième par là. Là, ça mène à Charbourg. Féliciter la ville de joie. Ah, j'ai pas le droit d'y aller pour l'instant. J'ai pas le droit d'y aller. As-tu participé à la campagne Pokémontre? Pas encore, mais justement, je suis en cours. C'est en cours. Là-bas, deuxième. Voilà, le deuxième, il sortait bien. Un Pokémon peut-il tenir un objet? Oui. C'est la bonne réponse. Un Pokémon peut tenir un objet. Dans certains cas, faire tenir un objet à un Pokémon suffit pour que ce dernier bénéficie de ses effets. Quant au B, les Pokémon les mangent de leurs propres initiatives en combat. Tiens, t'as bien mérité ton bon. Le bon 3. Ok. Dur les questions, de ouf. Après oui, voilà, encore une fois, on fait pas forcément tous les bâtiments, machin. On aura le temps, et le dernier est ici. Ou peut-être qu'il y a certains trucs qu'on fera pas forcément, parce qu'après c'est un remake aussi, donc voilà. Je suis un arlequin de la campagne Pokémontre. Sans transition, voici la question, les capacités ont-elles des types comme les Pokémon? Oui, c'était difficile. Tiens, t'as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. Et bien voilà. La terme métamorphose est plus appropriée qu'évolution. Ouais, ça dépend. Effectivement, ça dépend. Alors, cher ami de la Pokémontre, laisse-moi compter tes bons, je vais le faire avec la Pokémontre. 1, 2 et 3. Bravo, j'irai même plus, bravo. En échange des bons, je t'offre cette Pokémontre. Nice. Si tu as précommandé, tu as Manaphy sur quel mystère? Je n'ai pas précommandé, donc je n'ai pas Manaphy. Tu peux ajouter des applications à ta Pokémontre pour la rendre encore plus polyvalente. Appuie sur le bouton R pour l'essayer. Appuie sur le bouton R pour utiliser la Pokémontre. Touche l'écran pour lancer les applications et appuie sur le bouton. Ok. On va voir ça. Oh, elle a la même gueule qu'avant. Oh la vache. Oh, elle a la même gueule qu'avant. Pas besoin de précommande. Ah, pas besoin de précommande. Ok. Alors je vous avoue, je sais même plus trop à quoi ça sert la Pokémontre. Il n'y a pas le délire des pas aussi? Je sais plus. Il me semble qu'il y a le délire des pas. Enfin, pour le Shiny Hunting. Je
Je sais plus, il me semble qu'il y avait ce délire là. Alors il me semble que là on peut avoir des étourmis ou ce genre de truc, mais je pourrais pas aller plus loin dans tous les cas. Je vais vite fait checker si je peux aller plus loin, il y a des dresseurs, tout ça. Je crois que je peux pas aller beaucoup plus loin, mais dans tous les cas ça va m'XP. Donc bon, tiens, t'es plutôt faible comme dresseur. Tu veux tenter ta chance contre moi? Il me semble que je peux pas aller plus loin là, il y a la plage ou ce genre de choses, non? Il me semble qu'il y a ça. À vérifier. J'ai un doute. Il me semble qu'il y a ça. Ils ont laissé des questions faciles, mais les enfants qui avaient joué aux originaux, ils ont grandi. Ouais, mais c'est pas grave. Après, l'idée, c'est aussi de toucher un nouveau public. Hein. Oui, les pas, le cherche-objet, et puis après, il y a les CS. Ah oui, donc s'il y a les CS, ça c'est cool. Hein. Ça, pour le coup, c'est très cool. Hein. Tu vas chercher des shiny. En vrai, je suis évidemment pas contre. Comment on a Nanafi? Apparemment, via cadeau mystère, mais bon, pour l'instant, je suis pas renseigné sur ça ce soir, donc on verra tranquillou. Pourquoi on a eu NT Pokémon Union sur ton écran? Parce qu'on s'est en ami. On s'est en ami sur Switch. D'ailleurs, NT qui va probablement faire, il me semble, il va faire un let's play, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à les soutenir. Évidemment, allez rincer les potes, hein, les gars. Allez rincer les copains, bien sûr. Hein. On va tous y jouer, c'est normal, donc évidemment. Alors, on peut redonner des Pokémon. Avec eux, je vais gagner, c'est sûr. Ok, Edwin, le gamin va se battre. Il envoie un Magikarp. Oh, le Magikarp. Incroyable. C'est quoi ton ressenti sur Diamant Étincelant? Est-ce que le remake est à la hauteur de l'original? Écoute, je joue pas non plus depuis des heures. En tout cas, pour l'instant, je m'amuse bien. J'arrive à outrepasser un peu les graphismes. Et j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous dis, encore une fois, on va pas live toute la nuit, mesdames, messieurs. Je pense qu'on va live encore peut-être une heure ou quoi. On va voir peut-être l'histoire arriver au premier badge, ou je sais pas, on va voir. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Provoque, ça fait quoi déjà? Ça le rend confus, c'est ça? Magikarp attaque trompette. C'est ça. Wizikram qui monte bien, on a que Notor qui monte niveau 6. En vrai, je le laisse pour l'instant, c'est pas gênant d'avoir que Notor en soi. Hop. On a toujours tendance à juger, mais après ça le fait grave. Là, en fait, après ça dépend, je pense, ton degré de fan. Mais tu vois, moi qui suis fan de la licence, déjà moi je suis plus inquiet pour l'autre qui arrive en janvier, donc Arceus, vous le savez, on verra. Hein. Mais on y jouera, on le testera bien évidemment. Après, t'as plein de choses à prendre en compte. C'est vrai qu'on avait des attentes, les attentes sont pas forcément là au départ, ou en tout cas ils ont pris un choix artistique qui est différent, donc ça peut surprendre forcément. Mais après, quand on a revu dans un trailer d'après, moi je l'avais dit, ça s'est amélioré au niveau des éclairages, etc. etc., etc. Donc bon, progressivement, je suis parti très bas sur ce jeu, ça c'est vrai que je suis parti très bas. Et en fait, j'ai progressivement été rassuré. Et habitué aussi. Donc finalement, maintenant ça va. C'est évidemment pas le choix que j'aurais fait initial, je le redis encore aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est bon, je m'y suis habitué quoi. Hier pareil, je me disais que je vais pas le prendre à cause des graphismes, au final j'aime tellement la licence que bon. Non mais c'est ça, bien sûr en fait. Et puis en vrai les graphismes ne sont pas moches, hein. C'est juste un choix artistique en soi. Mais bah, je trouve que quand on est en comme ça, c'est nickel, hein, c'est trop bien. On s'y habitue au graphisme, oui on s'y habitue. Je suis d'accord, on s'y habitue. Bon comme ça au moins ça XP un petit peu notre ami Wistikram. Donc ça c'est parfait. Et puis bah bien évidemment je veux capturer Lixie et Tourmi, hein, bien évidemment, ce serait l'objectif, mais pour l'instant on ne les croise pas. Alors je sais pas si ça vient du fait que c'est de nuit. On va peut-être éventuellement retourner voir Viteuf. Mais pour l'instant effectivement on les croise pas. Et évidemment si on les croise, on les attrape. Et Wistikram monte au niveau 10. Et ça c'est bien. Il aura un petit peu XP. Ok. Oh, je suis pas assez forte pour toi. 392. Lixie, c'est la route en dessous, félicité. Je sais, non mais si vous venez d'arriver, on est au courant, on en a parlé. On en a parlé, c'est juste que pour l'instant, ils ne veulent pas popper. Bah tiens, bon. Au pire, il est là aussi. J'ai envie de dire. Hein? Au pire, il est là aussi. Voilà, qu'il n'y avait pas de délire de nuit, pas nuit. Et Tourmi, on en a vu un quand on n'avait pas encore les Pokéballs. Donc, dans les deux cas, et Tourmi, on devrait le trouver dans pas longtemps. Je pense. Ah. L'attaque est claire. Donc évidemment, Lixie, je le veux pour Luxray. Bien sûr. Le tue pas, s'il te plaît, parce qu'il m'a l'air déjà suffisamment rare comme ça. Donc me le tue pas. Enfin, rare, entre guillemets. Lixie, qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, je crois que ce week-end, rien à voir, mais si vous êtes fan de Lixie, hein, on y va, on y va. Petit auto-pro. Enfin, je sais pas pourquoi auto-promo, je vais pas du tout vous le couvrir. Hein. Mais dimanche, il y a le community des Lixie sur Pokémon Go. Donc vous pouvez avoir des Lixie shiny. Pourquoi pas. Voilà, moi je pense que je vais tenter de l'avoir. Et voilà, Lixie. Merde, c'est une femelle. Et alors, ça fait quoi? Il évolue pas? Si, il évolue quand même, je pense.
Y a pas de problème. Les données de Lixion est ajoutée au Pokédex. Sa fourrure étincelle quand il perçoit un danger et profite du fait que l'ennemi soit temporairement aveuglé pour s'enfuir. Je vous donne un surnom, Elixir. Non. Elixir rejoint l'équipe. Magnifique. Et donc, au niveau de l'équipe, on va regarder évidemment sa nature. Résumé. Et il est, attention, on ne sait pas, mesdames, messieurs, préparez-vous, il est jovial de nature. Donc, au niveau de ses stats, j'ai l'impression qu'il a un, je sais pas, un boost d'attaque. Et une carence en défense P. Je sais pas. Donc voilà. Là, je peux pas passer pour l'instant, si, c'est ça? Qu'est-ce que ça va me dire? Des rochers bloquent le passage dans la caverne. Je crois qu'on pourrait les briser avec une application de la Pokémon. Mais pour l'instant, j'ai pas l'application. Donc, un petit étourmi. Histoire de... Mesdames, messieurs, nous sommes bons. Voilà, on peut partir en direction du premier badge. On a ce qu'on voulait. Hello, petit Quick. Comment ça va? Comment tu vas? Allez, on va le choper. Elle est joviale. Oui, elle est joviale. Et je dis il. D'ailleurs, Whiskycram commence à être pas de ouf bien. Allez, hop là. On le chope. Comme ça, on va pouvoir stocker que notre or, du coup, et on aura un... En vrai, je pense que Lixie et Tourmi, on va les garder pour la team. J'ai pas la team complète en tête, mais effectivement, un petit Lucario pourrait être... Après, Lucario, moi, je veux bien, mais Lucario, il est combat, et Whiskycram, il devient combat-feu, non? Je crois. Donc, est-ce que ça vaut le coup? On reverra. On essaiera d'avoir un... On verra. Et Tourmi, du coup, il est, mesdames, messieurs, il est pudique de nature. Voilà. Ça, je le montre sans forcément en avoir un intérêt particulier, mais je sais que voilà, beaucoup, des fois, veulent savoir, etc., faire leur petit calcul. Ouais, il est combat feu. Donc, je sais pas si ça peut être intéressant d'avoir Essimia Braz. Là, pour le coup, vous avez merdé, il fallait Tiplouf. Là, pour le coup, il fallait Tiplouf. Et là, Lucario, il avait 100% sa place. Est-ce qu'on prendra Lucario? On verra, on sera peut-être un petit kiff quand même parce qu'on aime bien Lucario. Au pire, on mettra que des attaques feu à Essimia Braz. J'en sais rien. Je ne sais pas. Bref. On verra, effectivement, il pourrait y avoir un Karchakrok. Ça en ferait 4. Un petit, éventuellement, Lucario 5. Ou bien, à la place de Lucario, on prend un type électrique. Et en 6ème, on prend un type psy, quelque chose comme ça. On va voir. Ah non, mais type électrique, je l'ai, c'est Lixie. Je oublié. Bah, Lucario et un type psy, par exemple, ça pourrait le faire. Et voilà, et puis on aurait globalement une team. On verra. Mais voilà, l'idée, c'est surtout de se faire kiffer, les gars. Vraiment. Ah non, il va nous falloir un type haut. J'avais oublié. Il y a quoi comme bon type haut? Me dites pas Tritosaur, pitié. Y a quoi comme bon type? Ah, Musteflotte. Ouais, Musteflotte. Musteboué, Musteflotte. Ouais, éventuellement. Pourquoi pas, on verra. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, à la place de Lucario, du coup. Même si Lucario, j'avoue que maintenant, vous m'avez donné envie avec Lucario. Ah, c'est terrible. Lucario et combat acier. Ouais, mais justement. Bon, on verra. On aura le temps de se décider. Ouais, Léviator, je voulais dire en full 4G, pardon. Je voulais dire en full 4G, mais oui, effectivement, il y a effectivement Léviator. Hey Sphano, alors tu t'améliores en combat Pokémon? Moi? Quelle question, évidemment que je me suis amélioré. Tiens d'ailleurs, je vais te le prouver. Et on est parti pour le combat. On est parti pour le combat. Après, je sais pas, il y a peut-être des Pokémon qui peuvent remplir deux fonctions. Il n'y a pas un type Opsi. Je sais pas. On verra. Au pire, c'est pas grave. On se fait une équipe pour le kiff. Et puis voilà, on verra. Attention, le rival est fort. Ah mais non, mais je me doute bien qu'il est fort. Évidemment qu'il est fort. Rugissement. Hop, Milobelus. Ouais. Non mais je vais essayer d'avoir vraiment que des full 4G. On va voir. T'emballe pas, le combat fait que commencer. On verra, vous inquiétez pas, on verra. Puis bah on pourra pas forcément avoir tout le monde. Ou alors on se fait un kiff et on prend pas un type psy, on prend Lucario. Et Lucario, il a pas Aura Sphère. Aura Sphère, c'est... C'est combat, Aura Sphère, c'est pas psy. Ouais, je sais pas, je suis sûr, il y a des techniques, je suis sûr, on peut peut-être éviter d'avoir un psy, mais avoir une attaque psy à côté. Alors, sinon, il y a Galam. Galam encore, ouais, mais bon, j'aimerais bien avoir. Aura Sphère, c'est combat, ok, bon, je dis de la merde. Bon, bref, nous verrons. Don't panique. Merde, j'aurais pas dû envoyer lui. Par contre, on va se faire déglinguer la gueule, je pense, on va voir. On va envoyer notre ami Lixie, c'est le moment. Et bien une attaque combat, ok, c'est juste que visuellement, vu que c'est une espèce de boule et tout, j'espère qu'elle va pas me défoncer.
on verra, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'on sera quand même un petit kiff Lucario, tant pis. Vous avez merdé, il fallait pas, il fallait prendre Tiplouf. Il fallait le prendre. Et oui, que soulé, je vous dis. Non, parce qu'il nous aurait fallu un Tiplouf dans tous les cas. Donc, bon, allez, c'est pas grave. On aura la team qu'on a, et même si c'est pas la plus équilibrée du monde, on se fera un kiff. Donc ce serait bien. Est-ce que tu peux le paralyser? Ouais, j'essaie de le faire. J'essaie d'arriver à faire un truc sympa. Histoire de le faire jouer un petit peu Lixi quand même, de changer. Je peux pas le paralyser. Ah, merci. Il y a un nouveau type feu, mais seulement dans Perle, je pense. Ah oui, alors, je sais pas si vous avez sûrement vu ce tableau un peu de tout le Pokédex et tout, avec les exclusivités. Nous, par exemple, sur Diamant, on a les chiens, on a Ho-Ho, on a Tyranocif. Là où, sur Perle, ils ont les oiseaux, ils ont Lugia. Bref, et voilà. Et voilà, quoi. Mais bon, à part ça, ils ont pas grand-chose. Si je peux me permettre. Non, en vrai, les deux sont bien, mais... Bref, c'est pas grave. Vous savez, c'est mon légendaire préféré. Tant pis. C'est pas grave. Oh non, il est mignon, je voulais pas le tuer. Bon, en tout cas, c'est bien passé. Lixi monte au niveau 8. C'est bien, il rattrape notre petit Lixi. Il apprend le chargeur. Très bien. Ok. Wissicram monte au niveau 11. Ça monte bien. Et Tourmi monte au niveau 7. Et regardez-moi cette team. Incroyable. Et on a battu René. On a battu René. Mais c'est quoi ce délire? J'ai perdu. Eh ouais, mon gars. Sorry, mais oui. Quoi? Comment ça, j'ai perdu? Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion d'arène de Cherbourg. Je vais m'entraîner à fond pour y arriver. Bah, entraîne-toi à fond. Ça m'a soigné mon équipe ou pas? Non. Ouais, mais ça va, il est pas non plus... Il est pas très abîmé. Ok, bon alors on continue, on y va. On va évidemment faire les différents Pokémon. On est parti, Yanni, le gamin veut se battre. Il a moins que Nosfer. Puis on prend Nosfer à petit poids, hein, Nosfer, non. Allez, ça nous ferait sauter tout Raptor, on aurait un vol... Non, en vrai, je vous dis, ce sera pas la team la plus équilibrée du monde, mais je pense qu'on va avoir Simiabraz, Simiabraz et Tourraptor Luxray, Karchakrok, Musteflotte et Lucario. C'est pas la team la plus équilibrée du monde, c'est un peu une team fanboy, hein, je l'accorde. Mais on est sur un remake, on est sur de la nostalgie, on est là pour se faire plaisir. Est-ce qu'on se ferait pas aussi plaisir pour ça? Après, ouais, il y a des Archéodons qui sont là, il y en a plein. Merci, Joe. C'est vrai que sans type 6, ça peut être compliqué, donc on verra. Écoutez, nous verrons. Il manque un type plante. Oui, il manque un type plante. Après, tu peux pas avoir tous les types. Moi, généralement, je fais soit le choix du type plante, soit le choix du type électrique. Je fais jamais les deux, parce que c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Là, je vous dis, en fait, mes Pokémon un peu préférés de cette génération, donc... Attendez, mais Tourraptor, il est pas aussi... Chargeur, ça fait quoi, déjà? J'ai oublié. Sans même pour sa prochaine attaque électrique. Ouais, non. Hop, allez, éclair. Enfin, Lixi, il est trop mignon. Lixi, il est incroyablement mignon. J'avais oublié à quel point Lixi était beau. C'est vrai que Lixi, c'est un des... On n'en parle pas assez, mais c'est un des meilleurs types psy. C'est un des meilleurs types électriques, Lixi. Vraiment... Enfin, je sais pas, en termes de stats, j'en sais rien. Je crois qu'il est quand même bien, en plus. Mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi Filali et Givrali. C'est vrai. C'est vrai. On les oublie aussi. Ouais, il y en a plein. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de Pokémon dans cette génération. Vous allez voir, vous allez me réconcilier avec la 4G, vous, hein. Vous allez voir, vous allez me réconcilier avec la 4G. Pas impossible. Salut. On va faire les combats. Ah bah, il n'y a pas de combat. Eh bah, très bien. Ok, on a ça. Noctu noir pour le type psy. Ouais, faut voir. Je vous dis, faut voir. Et là, un petit shiny, vous imaginez vraiment si on a un shiny qui pop, là. Ce serait ultra, ultra stylé, quand même. D'avoir un shiny qui pop. Du coup. Flamèche. En vrai, je pense qu'on va avoir l'évolution de notre starter ce soir. Hein. Il y a moyen. Hein. D'ici à ce qu'on se lèche, je pense que c'est niveau 14 qu'il évolue. Oui, c'est quand même. Donc, tu noir et spectre. En plus. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Très bien. Lixi en rapidité est très bon. En attaque spéciale est pas mal. Ouais, Lixi. Puis, ouais, mais puis. Il est beau, quoi. Il est beau. Disons-le, il est beau. Il est beau. Alors.
J'ai hâte de voir Charbourg et tout, là. Ça va être sympa. Alors, Gavin, le gamin, pardon, veut se battre. Il envoie un Krixik. Bon, voilà. Vraiment, pour l'instant, Krixik, mesdames, messieurs, on est vraiment désolé pour lui. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que pour l'instant, notre ami Krixik prend un peu tarif dans la gueule, quand même. Je dois pouvoir déplacer les attaques, mais depuis le menu. Je pense. Krixik est dead. Ouais, alors, je pense qu'on fera la légendaire, bien sûr. Lixi monte au niveau 9, c'est bien, il était bien déjà. Et Tourmi niveau 8. Ils sont pas trop à la traîne derrière Wistikram, en vrai. Ils sont pas trop à la crème. Oh là là, à la traîne, à la crème. Ah, il est 1h du mat, les gars. Il est 1h du mat, je suis debout depuis 8h30. Bon, hein. C'est où la vraie route? Parce qu'il y a deux routes. C'est 14 ou 16? Je sais pas. Dans les deux cas, ça avance. C'est 14, chimpanfeu. Bon, bah voilà. En ce cas, c'est bon. Que noteur. L'histoire de crème. Wiscram, il apprend Match Punch au niveau 14 quand il évolue. Bon, bah parfait. C'est dur. C'est dur, Sifla. C'est parce que je parle vite. C'est parce que je parle vite, c'est pour ça. Allez, que noteur. Tout droit, fin à droite, ouais. C'est la grotte, la bonne voie. Ok, mais alors, je pense. J'aimerais bien, du coup, choper le reste avant. Je sais pas. C'est cool. Alors, truc étonnant, si vous suivez un peu de mes différents lives ou quoi, vous le savez, le son de ma Switch se décale sur certains jeux. Toutes les demi-heures, je dois le relancer et tout. Pour le moment. Ici, non. Pourquoi? Je dis, selon les jeux, ça ne bouge pas. Trop bizarre. Peut-être le premier badge aujourd'hui. Je pense pas, parce que si je dis pas de conneries, il faut quand même aller dans la grotte et tout, en dessous de Charbourg, de mémoire. Je pense pas. L'idée, de toute façon, n'est pas absolument pas de rush. Juste pour l'instant, on n'est pas en mode full à attendre tous les Pokémon de chaque zone dans la zone AXP à fond, machin. Juste on avance, on fait ce qu'il nous a proposé. On rush pas spécialement, mais on traîne pas non plus, quoi. Genre, on avance à notre rythme. Mais vous savez, je pense, si vous me suivez depuis toutes ces années, que Pokémon, généralement, j'ai tendance à bien les saigner quand même. Donc, l'épée bouclier, on l'a fait à 100%. Donc, voilà. Après, je sais pas si lui, on le fera à 100%, parce qu'il y a plus de. Ah, je sais pas s'il y a plus de Pokémon. On verra. C'est la magie Pokémon, c'est ça. C'est ça. Ok, donc la grotte est là. Effectivement, on va peut-être se faire le truc à gauche avant. Ou alors en revenant le truc à gauche. On va voir. On va se faire le petit quenoteur. La mèche. 493 Pokédex national pour lui. C'est pas mal, hein, 493 quand même. Hein. C'est quand même mal. Surtout qu'on n'aura pas forcément de terre sauvage, machin. Mais on a le. Alors, c'est vrai que c'est plus simple depuis qu'il y a ça. Depuis qu'il y a le multi XP d'activer en permanence pour tout le monde. Bon, bah, j'avoue que c'est quand même plus simple, en fait. On va pas mentir. C'est-à-dire, moi, je prends mon Pokémon qui est niveau 100, j'en prends 5 autres, bam, je fais une ligue et ils ont tous évolué et c'est bon, c'est le Pokédex, quoi. Donc, en vrai, c'est quand même plus simple sur ce point. On va pas se mentir. On verra. Par contre, effectivement, si on n'a pas l'attaque combat avant d'entrer dans la grotte, on risque peut-être de galérer. Bon, après, en vrai, je pense quand même s'en sortir. On a un petit match-up. Petit match-up qui fait plaisir. Merci China, merci beaucoup. On va faire Flamèche. Est-ce que Flamèche va passer? Je pense mieux que Griffe. Ouais, ça va. Oh, le match-up, il est grand, oh. Moi, c'est Lixi qui fait ma game. Ah, mais de toute façon, il nous servira, hein, c'est sûr. C'est vrai que pour l'instant, je suis beaucoup avec Wistikram parce que non seulement c'est mon starter, c'est celui que j'ai eu en premier, celui qui est le plus haut niveau, et c'est en plus celui qu'il faut que j'XP en priorité pour la grotte. Donc, dans tous les cas, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu obligatoire. Wiscram va prendre point boost. Ah! Bah voilà! Non mais est-ce que c'est pas incroyable? On est devant l'entrée de la grotte, j'apprends une attaque combat. C'est incroyable! Attends, mais c'est incroyable. Alors c'est pas la meilleure attaque combat, on est d'accord, mais c'est mieux que rien quoi! C'est incroyable! C'est fou! Il apprend point boost. Alors évidemment, oui, il y a beaucoup de légendaires dans cette version, bien sûr. Et en plus. Oh, il apprend cruel, très bien. Et en plus de ça, vous le savez, vous l'avez vu, il y a cette histoire de parc là avec tous les Pokémon. Alors on passera de côté d'un point de vue lore, mais enfin bon, à partir du moment où on a fait des formes alternatives de Galar des légendaires, moi je crois plus aux formes, enfin je crois plus au côté lore des légendaires, hein, voilà. Mais si tu mets ça de côté, bon bah il y a du choix aussi au niveau des légendaires. C'est peut-être juste, je me dis, ouais effectivement, j'ai l'impression que Pokémon cherche à ramener de plus en plus de légendaires et à tous les ramener à chaque version. Et je suis en mode, bah... Ouais bon, bah non, mais le côté légendaire c'est qu'ils soient uniques. À partir du moment où tu me fais un Sulfura de Galar, tu vois, je suis en mode, bah ouais, mais Sulfura de Galar, du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs Sulfura, plusieurs légendaires, du coup. Rip le lore, ouais, voilà, rip le lore, bonjour le gameplay. Ça dépend comment vous le prenez, en fait, ça dépend, ouais.
La grotte est tranquille. Oui, non, mais je doute pas que la grotte soit tranquille. J'en doute pas forcément. Hop, on va continuer sans changer. Ah, et là, point boost va être utile. Contre un type normal. Et alors, j'ai pas révisé la table des types, les gars. Mais vraiment, regardez ça un peu. Là, maintenant, ça y est, après 10 ans à me faire engueuler sur YouTube et tout, ça y est, elle est là maintenant, la table des types. Elle est là. Elle est là, la table des types, les gars. Attendez, croyez quoi? C'est bon. Vous avez devant vous un vrai YouTuber Pokémon, n'est-ce pas? Continuons. Alors, attendez, je veux juste aller checker ce qu'il y avait là, je crois. Enfin, on est bon. La table des types. Il a point boost, lui. Ouais, il a point boost, il a point boost. Moi, je le prends mal, car chaque version est censée être uniquement représentée. Pour les légendaires, c'est deux vies, c'est, je sais pas, ouais, c'est, ils veulent rajouter du contenu un peu facile, mais hypant, entre guillemets, pour les gens. Mais c'est vrai que s'ils le font à chaque fois, ça ne le sera plus. C'est évident, mais bon. Alors, on a le droit de spam une fois si tu te fais la table des types. Non, mais ça va, je la connais bien, la table des types, non, vous inquiétez pas, vous savez. YouTuber Pokémon, bien sûr, ça ne bouge pas. Ça, c'est... J'ai eu un débat récemment avec une marque sur ça, qui me dit... on recherche des youtubeurs vraiment qui font du contenu Pokémon et tout, je dis hello. Puis ils me disent ouais mais non tu fais pas du contenu Pokémon, j'étais en mode j'ai fait tous les let's play, bonjour, tu vois. Et après ils ont dit ah oui si finalement ok. J'étais en mode bah ouais je sais pas. Je sais pas les gars, bonjour. Donc bon oui je fais pas du contenu Pokémon H24. Mais en l'occurrence tous les jeux qui sortent ils ont fait ma chaîne a démarré avec Pokémon. Bon, je veux dire, je suis quand même plus Pokémon que d'autres quoi, tu vois. J'étais en mode bon. C'est quoi c'était 98 Éclatroc. Ok. Elles sont à usage unique. Ah, ça revient comme à l'époque, elles sont à usage unique. Réfléchis donc bien avant de t'en servir. Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ta Pokémon. C'est l'application Capacité Secrète. Ah, et je peux l'utiliser en CS. Tu pourras briser les petits rochers qui te bloquent le passage. Ça ne fonctionnera que si tu possèdes déjà le badge de la reine de Charbourg. Ok. Donc en gros, soit je peux l'utiliser en combat en CT, donc une seule fois. Enfin, je peux la prendre qu'un seul Pokémon en CT. Soit je peux utiliser en tant que CS pour me balader dans le monde, très bien. Les badges d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes. Sur ce, j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli. Très bien. Ok. Donc pour l'instant, on est d'accord. Vous allez le briser avec une capacité secrète. Attends, fais voir. Bon, ça doit être chiant si à chaque fois je dois aller là-dessus et tout comme ça. Après, quand t'es en tactile, ouais, mais bon. Hop, on va sortir de là. Quand t'es en tactile, je veux bien, mais là, pour l'instant, effectivement. Et nous avons un gars de la Team Galaxy. Non, même pas. C'est pas du tout Team Galaxy. Pas du tout. Draskor a du flow. Draskor, vous vous rappelez de Rapion? On avait chié à choper Rapion. J'aime beaucoup les décors derrière. Pour le coup, j'aime beaucoup les décors derrière. Très stylé, les décors derrière. Magnifique. Extraordinaire. Du haut niveau. Pardon. Excusez-moi. Ok, continuons. On va faire une petite attaque point boost sur ce cher ami. Et ça ne fait pas grand-chose, malheureusement. Mais j'augmente mon attaque. Qu'est-ce que tu penses du jeu pour le moment? Bah, je pense que vous le voyez. Hein, ça fait une heure maintenant à peu près qu'on est dessus un peu plus. On est bien dedans, quand même. Pas se mentir, on est quand même bien dedans. Il y en a qui vont se lever demain. Ils vont dire ça va Sif, ah t'as signé Abra, c'est niveau 35, ouais comment ça va? Je pense ça va, on a passé une bonne nuit, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle, demain on sera sur Twitch dès demain matin, évidemment. Merci Shina, déjà un an que je me suis membre, je m'en suis toujours pas rendu compte, toujours un réel plaisir de recouvrir un jeu avec toi comme ça. Merci beaucoup Shina, merci beaucoup. Merci de soutien depuis un an, incroyable, merci pour ton nom, ça fait super plaisir, merci beaucoup. C'est vrai que la grotte est quand même très rapide. J'ai réussi à traverser cette grotte pour fêter ça, je vais t'affronter. Allez, qu'est-ce que tu as? Selena, la fan pique-nique, qu'est-ce que tu as? Un rose bouton. Ouais, non, mais les gars, au bout d'un moment, on est dans une grotte, vous m'envoyez que des types contre lesquels je gagne. Genre, je peux pas, voilà. Demain matin, quelle heure? 9h sur Twitch. Sur mon Twitch, demain, 9h. Jusqu'à midi. Ensuite, je cutterai le live. Je relance à 14h jusqu'à 19h. Donc là, ça va être la grosse session. Ensuite, je cut le live et je reprendrai de 21h à 23h, minuit par là. Ok. Psycho-quack. Oui, je vais changer. On envoie notre ami Lixi. Bientôt les 1000 likes. Eh, ben ouais, n'hésitez pas vraiment à liker, les gars, encore une fois. Important, n'hésitez pas à liker, vous le savez. Ça aide énormément.
Il veut nous épuiser. Bah, j'ai calculé juste sur Twitch, donc sans compter ce soir, on va faire 28 heures de live, normalement, s'il n'y a pas d'erreur. Donc en comptant ce soir, on aura fait 2 heures, en fait, on aura fait 30 heures de live en 3 jours, ce qui est énorme. Ce que je ne fais jamais d'habitude, mais voilà. Là, je tente aussi pour la sortie du jeu et tout. Se faire un week-end un peu spécial. Et les 1000 likes sont là. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci les amis, merci beaucoup. Faire un mot pour mon patron. Alors oui, je pense que demain, je le dis, et c'est pas grave, je pense que demain, on sera très peu nombreux sur Twitch, parce que, bah, évidemment, vous bossez, vous êtes en cours, machin, c'est normal, c'est pas encore vraiment le week-end. Mais bon, vu que le jeu sort, j'ai quand même envie de me mettre dessus. Je pense qu'on aura plus de monde durant le week-end, effectivement. Merci Mathis. Par chez nous, Québec, il est que 19h. Ouais, bah oui, bien sûr, après, selon où vous regardez, bien sûr. Ok. Sortons d'ici. Alors. Nous voici à Charbourg. Salut dresseur! Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Alors laisse-moi te montrer où se trouve la reine de notre ville. Ah d'accord, ok. On y go. Et quand est-ce que je peux changer mon look, au fait? J'ai pas pu le faire à Félicité, mais peut-être qu'on pouvait, en fait. Tiens, il y a quelqu'un devant la reine. Évidemment. Évidemment. Hein? Ah, c'est toi, t'arrives enfin. Tu traînes toujours autant. Il est un peu... Il tacle un peu, quand même, lui. Même s'il reste gentil, il tacle un peu, j'aime bien. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit qu'il devait aller... Ah oui. À la mine de Cherbourg. Je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, j'ai déjà mon badge. Ok. Très bien. C'est où qu'on peut changer les tenues? Personne me l'a dit, donc je suis pas sûr que ce soit là. Hein. Pas certain qu'on puisse là, comme ça. Il y a quoi, là? Musée minier, donc c'est pas là du tout. Là-haut, il y a quoi? Ah oui, c'est la suite de la route, mais je crois que je peux pas vraiment y aller. Hein. Ouais, je peux pas y aller. Ah, bicyclette. Et là, il y a quoi déjà? Ah oui, il y a ça quand même. Et oui, parce qu'on se rappelle. C'est pas là qu'il y a les légendaires en haut à droite, là? Il me semble. Je sais plus. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. Un petit racaillou. Ouais, regardez, il est là, il est mignon. Parce qu'on n'essaierait pas de le choper. Non, je sais que le champion de l'arène est en bas, bien sûr. Hein, vous inquiétez pas. Tu prends Miu et Jirachi. Alors, apparemment, ouais, il y a un délire comme ça. Je sais pas. C'est à voir la rock pour les tenues. Ok, donc c'est pas tout de suite. Apparemment, il y a Mew et Jirachi à choper, mais je sais pas comment. Tout comme Manafi, apparemment, en cadeau mystère. Faudra qu'on voit tout ça, on regardera tout ça. Mais je sais pas exactement. Tempête de sable se prépare. On fiche des dégâts à Wistikram. Ok, vas-y, on va lancer une Pokéball. Objet caché dans les herbes. Ah, objet caché. Alors attendez, où ça? Putain, vous savez, vous dites en direct et tout, c'est incroyable. Hop, on le chope. Ça, au moins, c'est fait. Avec les graphismes et la refonte de l'interface intégrant les types d'efficacité des attaques, ils ont sûrement voulu se rapprocher du jeune public. C'est possible. Oui, c'est possible, ça, c'est clair. Ok. Je peux pas l'envoyer direct au... Eh non, il a rejoint mon équipe. Épée pour Mew et bouclier Jirachi. Ah, ça, je sais pas. Attendez, il est où votre objet Mew Jirachi, il y a des PNJ à Floraville. Ok, bon, on aura le temps. Il est où votre objet caché? En haut à droite. Ok, en haut à droite. On va aller voir ça. Je vais aller voir ça. On va aller voir. On va juste se débarrasser de lui. Comme ça nous fait l'XP en plus. Effectivement, s'il y a un objet caché, peut être intéressant, peut être sympa. Et ensuite, on va descendre à la mine de Charbourg. Par contre, boule armure. Ok, moyen. Je passe cette insomnie ici au lieu de ruminer, donc juste merci pour le live. Merci Lydia, c'est gentil. Ah, on profite de la sortie, quoi. On avait fait pareil pour Animal Crossing. Hyrule Warriors, l'année dernière, on avait fait une vidéo, tout comme Pokémon... Non, Hyrule Warriors, on avait fait un live, et c'est Zelda Skyward Sword cet été où on avait fait une vidéo, plutôt. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de repartir sur le format un petit peu live. Donc dans le coin en haut à droite, vous dites. On va checker ça. On va... checker ça tranquillement. Hop, comme ça on gagne un petit peu des points. Wistikram monte niveau 13, c'est très bien. Racaillou monte. Ah oui, alors Racaillou. En soi, on va le stocker, hein, c'est pareil. Hein. Il m'intéresse pas pour l'instant. Ah, voyons voir. Ah là. Ouais, effectivement. Oui, il y a les arbres à baies au-dessus, ouais, effectivement. Mais par contre. Oh, c'est terrible. Donnez-moi un shiny. Et je sais qu'avec la... C'est pas dans cette version qu'avec la Pokémontre, on peut avoir... On peut, entre guillemets, traquer plus facilement les shiny ou je sais plus quoi. Avec le délire des pas ou...
Je ne sais plus exactement. Il faudra que je revoie un tuto sur ça. Ça doit y en avoir sur YouTube. T'as tout sur YouTube aujourd'hui. Mais il y avait un délire. Jirachi CP, bouclier. Nous, c'est let's go. Ah ouais, bon, je sais pas. Je verrai un petit peu tous ces trucs. Il y aura des articles sur ça. Je verrai ça. Sans, on a épée et bouclier à la maison. Donc, pas de problème. Poké radar, c'est ça. Ok. Mais ça, c'est bien plus tard. Mais je crois effectivement qu'on peut faire du chain hunting avec le poké radar. Ben, on verra. Peut-être qu'on fera ça. Hein. Et le poké radar, il est intégré à la Pokémontre. Peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, allez. On a récupéré ce qu'on était venu chercher ici pour le moment. Ça nous a fait XP un petit peu. C'est parfait. Hyrule Warriors, ça fait déjà un an, le temps passe vite. Ça fait plus d'un an, Hyrule Warriors. Là, en novembre, là, à cette époque, on était sur Miles Morales. Voilà. Si vous voulez un petit coup de vieux, on était sur Miles Morales à l'époque, l'année dernière. Pokéradar, c'est pas maintenant. Ouais, bien sûr, on a le temps. On a le temps. D'ailleurs, on va peut-être faire un truc tout de suite, je suis en train de me dire. On n'a absolument pas sauvegardé. On va quand même sauvegarder la partie, parce que voilà. Ah, j'ai pas... attendez, j'ai pas stocké notre ami... j'ai pas stocké notre ami Rakeyu. Les herbes brillant doré pour un shiny. Oui, ça me dit quelque chose. Hop, professeur PC de blablabla. Mince, non. Pardon. Hop. Dans plusieurs heures de jeu. Ouais, non, mais bien sûr, mais on n'est pas pressé. Hein. C'est pas pour dire, ah, il faut qu'on le fasse maintenant. C'est juste pour dire, il y a ça aussi, j'ai pas oublié, quoi. Effectivement. Alors, allons à la mine de Charbourg. Ça va, ça me revient quand même en tête. Mine de Charbourg, c'est par là. Alors, hello. Ah, je peux passer ici, ok. Est-ce que je peux passer par là? Oui, je peux quand même passer par là, ok. Salut, est-ce qu'on peut se battre? Non. Oui, on risque de te proposer un combat à tout instant. Ça, d'accord. Et là, il y a une Pokéball. Le fait qu'on puisse sprinter en permanence, c'est quand même perturbant, je trouve. Hein. Moi, ça me perturbe. Ok, alors... voyons voir. Va-t-il y avoir un petit peu des combats en permanence? Oui, c'est probable. Ah bah non, les match-up, non. Pas tout de suite. Voilà, eux, ils veulent se battre. De toute façon, moi, je cherche des dresseurs. Moi, l'objectif, c'est d'avoir Chimpanfeu, là, les gars. L'objectif, il est d'avoir Chimpanfeu, évidemment. On devrait avoir dans pas longtemps, si c'est niveau 14. Si c'est niveau 14, ça va arriver. Très vite. Hop. Point boost ou flamèche? Flamèche. Surtout que là, ils commencent à être de plus en plus haut niveau, les mecs. Ah oui, j'allais dire, le coup critique. Tu cours automatiquement, tu peux pas marcher. En fait, tu peux marcher, ce que j'expliquais quand on a eu les chaussures, si vous étiez pas là, en gros, je vous explique. Pour sprinter, ce n'est plus une touche à actionner, comme genre la touche B ou quoi, tu vois. Non. Là, en fait, c'est juste si tu inclines très léger le joystick, il va marcher. Mais si tu l'actionnes en plein, il va courir. Donc c'est quasi automatique, en vrai. C'est vraiment quasi automatique. Donc voilà. Mais en vrai, ça va, ça se fait pas... Ça se fait, mais c'est vrai qu'on sprint en permanence. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Ah ouais? J'ai eu de la chatte ou... Je sais plus s'il était rare ou commun là-dedans, mais... Ouais, tu trouvais point boost. Ben, on l'a appris. Alors, visiblement, ça choque beaucoup de gens, donc j'imagine que c'est peut-être nouveau. Mais ouais, on l'a appris. On l'a appris. Tu marches si tu bouges avec le D-pad. Ah, peut-être qu'avec le deuxième joystick, on ne peut que marcher. Peut-être, j'ai pas essayé, on va regarder. C'est possible. Ouais. C'est une possibilité, ça, pour le coup. Alors, attention. Polyroche. On va essayer de l'attraper. Sinon, les touches directionnelles pour marcher. Ah, bah voilà aussi, peut-être. Ouais. Oui, le D-pad, pardon, je dis le deuxième joystick, mais. Il est commun, Onyx? Ah, ouais. On va utiliser une Honor Ball. On te fait l'honneur d'utiliser une Honor Ball. On rappelait à l'époque dans les tout premiers Pokémon, Pokémon bleu, des fois les Pokémon trop gros ils rentraient pas. Et là il va pas vouloir rentrer. Attention, et on va crever. Je pense. Pas tarder à crever, alors on va voir. On retente. On retente, mais c'est vrai qu'il risque de faire mal pour le coup. Avec jet de pierre. S'il va rentrer. Allez, c'est bon. C'est bon. Nickel. Ça va, tranquille, ça se passe. Ok. Comme ça, voilà. Au moins, lui, il est là dans le Pokédex, il rentre. Et on va se heal un petit coup, histoire d'utiliser des potions, quand même. Sac. On va utiliser, du coup... C'est quoi, ma... Ah oui, c'est vrai. Potion. Hop. Voilà, on va pouvoir utiliser sur Wistikram. On va utiliser deux, parce qu'on en a plein, de toute façon. Ok. Et là-dedans, nous avons
potion. Ok, bah voilà. Alors attendez, voyons voir si je bouge avec le... Donc le deuxième stick, je bouge pas. Avec les croix, par contre, regardez, voilà. Effectivement, si vous ne voulez que marcher, vous pouvez le faire avec les croix. Effectivement. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est sa cabane secrète. Recule un peu. Et regarde, grâce à la capacité secrète, éclate rock. Non, pas du tout. Je peux réduire en poussière les rochers qui bloquent le passage. Mais moi, je peux pas, pour l'instant. Un Nuzlocke sur Perle serait pas mal. On verra en combien de temps on finit Diamant. C'est important de faire ça après un éboulement. Si tu obtenais le badge de notre arène, tu pourrais toi aussi détruire les rochers qui te barrent la route. C'est pas le champion, lui? Pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. C'est fou.